Estamos en vivo. Adelante, Alejandra. Bonjour à tous. On va attendre que les gens se connectent. Bonjour tout le monde. Bonjour, Pao Casabuenas, la première personne à nous dire bonjour aujourd'hui. Je vais attendre à ce que d'autres personnes nous saluent. Oui, je vois pas mal de personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Bonjour Juan José, bonjour Lady, bonjour à tous. Je suis très ravie d'être ici avec vous. À ceux qui nous suivent en Colombie, c'est l'heure de la pause déjeuner. En Colombia, es la hora de l'almuerzo. Et pour ceux qui sont en France, c'est bientôt l'heure de dîner, à 20 h. Donc, c'est 19 h en France. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vous préciser plusieurs choses qu'on nous avait demandé la dernière fois. La première, c'était quoi l'objectif de ces cours français niveau débutant? L'objectif de ces cours, c'est d'atteindre le niveau A1. Niveau A1. El objetivo del curso nos lo habían preguntado el martes pasado, ¿cuál es el nivel que se podría adquirir con este curso que estamos dando? Nosotros pensamos que es el nivel A1. Cependant, il n'y a pas que le cours qui est suffisant pour atteindre ces niveaux. Il faut que vous travaillez depuis chez vous pour atteindre aussi ces niveaux. Il faut faire les exercices, il faut écouter la musique, il faut écouter la radio aussi. Entonces, no es solo el curso el que va a ser suficiente, también tienen que poner de su parte, hacer los ejercicios que vamos a proponer y también escuchar música, ver películas, eso todo les va a servir. Donc aussi, je voulais vous préciser, les cours sont toutes les semaines, le mardi et le jeudi. Los martes y los jueves tenemos clases todas las semanas. Entonces, cada día, el martes hay un tema, el jueves hay otro tema. Entonces, si se perdieron la clase del martes, la van y la buscan en Colombia Nos Une para que puedan ver los temas que vimos el martes y ponerse al día. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy también les va a servir para trabajar. Voilà, donc, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer. Donc, c'est qui les professeurs de ces cours? Il y a David Bantes qui présente les cours le mardi. David, il vient de Medellín. Il habite en France depuis longtemps. Il a été professeur d'espagnol en Colombie et il a été aussi professeur d'espagnol en France. Et maintenant, David, il travaille dans les milieux de l'enseignement. Et dans ses temps libres, David fait des cours d'espagnol avec l'association Linkaid. Et moi, je m'appelle Alejandra Acevedo, je viens de Medellín aussi. Ça fait 3 ans que j'habite en France. J'habite en France depuis 2018. Je suis ingénieure, je ne suis pas professeure de base. Depuis novembre 2020, j'ai commencé à donner des cours de français chez l'association Linkaid. Pour volverlo a decir en español ustedes para ayudarles. Soy Alejandra Acevedo, vengo de Medellín, como David. David también viene de Medellín. Los dos hacemos parte de la asociación Linkaid en Francia. Esta asociación da cursos de francés a personas que viven en Francia y que quieren aprender el idioma. Lo hacemos de manera voluntaria. Y yo soy ingeniera. David ha sido profesor de
française en Colombie et professeur d'espagnol en France. Et vamos a estar acompañándolos a ustedes a través de Colombia los une los martes y los jueves. Ok. Donc on va continuer ici. Ici, je vous mets l'adresse de notre blog parce que plusieurs nous avaient demandé où est-ce qu'on vous allait mettre les exercices. C'est ici où on va vous mettre la présentation des cours et aussi des exercices, des vidéos pour que vous pouvez pratiquer plus le français. Et c'est le link du cours. Se los van a compartir por la página de Facebook. Y en este link van a poder encontrar las presentaciones que hacemos cada curso y adicional algunos ejercicios o videos. Ahí es donde lo van a tener. Van a tener en cuenta que en este momento estamos haciendo la clase 2. El contenido de la clase 2 lo vamos a poner después de la clase. Ya pueden encontrar el contenido de la clase 1. Ok. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, c'est le 1er juillet. On va travailler le nombre de 20 à 100. Les nombres, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est les nombres? Vous l'avez vu le mardi? Qu'est-ce que c'est les nombres? Pouvez-vous me dire qu'est-ce que signifie les nombres? Ça, vous l'avez vu avec David. Je ne vois pas de personne qui me dit. Les nombres sont le numéro, si. Oui, je viens de voir. Liliana lo dijo. On va voir ça aujourd'hui. On va faire un petit rappel de nombres de 0 au 19 qu'on avait vu avec David. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est la France et la francophonie. On va apprendre plus par rapport à la France et à la francophonie. On va voir les autres pays. Comment est-ce qu'on dit Colombie, par exemple, en français, ou les autres pays, Brésil et Pérou, d'autres pays, comme on les dit en français. Et enfin, on va finir par se présenter. Par se présenter, vous allez apprendre à vous présenter en français. Alors, c'est parti. Donc, on va compter d'abord. Et je vais vous faire un rappel de comment compter de 0 à 19. On l'avait vu avec David le mardi. Esto ya lo vieron con David el martes, así que lo voy a pasar rápidamente. Je vais répéter la prononciation des nombres de 0 à 19. Et ensuite, on va passer à nouvelle chose. Donc, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà pour les cours de la semaine dernière, de mardi dernier. Et voilà, on va passer à nouvelle chose. J'ai vu que vous regardez aussi, vous allez m'entendre prononcer, mais j'ai vu aussi que vous regardez les tableaux et voir comment ça s'écrit. Quiero que además de escuchar mi pronunciación, vean cómo está escrito, porque vamos a entender más o menos la dinámica de cómo se escriben los números en francés. Donc, le nombre de 20 à 29. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29.
J'ai vu que vous prêtez attention à deux choses. Comment je prononce 20 et ici je prononce 21. Ici je prononce aussi 28 alors que je prononce 27. 27, 28. Est-ce que vous trouvez une différence des prononciations? Quand je prononce 20, 21, 22. Est-ce que vous trouvez une différence à la prononciation? Entiendez una diferencia en la pronunciación. Lo veo. Veo. Las personas que se les ve borroso pueden cambiarle la configuración a su live de Facebook. Oui, je vois Jasmine qui répond. Sí, es verdad. Cuando pronunciamos el número solo o con una consonante, como con 22 o 23, la T no suena. On dit 20, 22, 23. Alors que quand c'est avec une voyelle, cuando es con una vocal, como en este caso, como en el 21, 21 et 28. La H en français, elle est muée. Donc, on ne la prononce pas et on fait quelque chose qui s'appelle la liaison. On fait ici la liaison. Ça se llama la liaison en français. 21, 28. Par contre, on dira 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. Oui, veo que Javier pregunta si eso lo es para acompañar el 1. Sí, solo utilizamos 21, el E, para acompañar el número 1. E aussi, sí, Andrés, la mayoría de veces vamos a aplicar esa regla. Luego van a ver que hay unas reglas más específicas en la liaison. Hay liaison obligatoria. Y hay algunas que son complementarias y algunas que son prohibidas. Pero eso es tema para más adelante. En este caso vamos a ver que sí, cuando decimos 21, siempre va a sonar la T. Lo mismo con 28. Y otra cosa importante es, sí, Lorena, E es I, como 21. Y una cosa importante es que cuando van a escribir 22, 23, 24, siempre tiene que haber un guión. En français, on appelle ça le tiré, en tiré. Il faut écrire en tiré entre 20 et le nombre qui suit. Donc 22, on les lit avec un tiré. En español, no hay ese tiré porque todo está junto. En français, au lieu de tout mettre ensemble, on va mettre un tiré. Voilà. Je vais faire une dernière fois la prononciation et ensuite on va faire un petit jeu. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29. Donc, maintenant que vous savez compter de 0 au 29, on va jouer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons acheter un magasin. Achetons un magasin. Achetons un magasin. Est-ce que vous comprenez vous savez qu'est-ce que c'est un magasin? Qu'est-ce que signifie magasin?
Que signifie magasin? Un magasin est une tienda. Non, donc je vois que Maria Camila Higuera et les autres personnes ont pensé c'est une revista. Magasin en français c'est tienda. Magazine es revista. Una tienda, sí. Una tienda o almacén. Tienda en, no sé si también en otras ciudades de Colombia, tienda es como la tienda en la que venden productos alimenticios. Más que todo, una tienda en Francia es donde venden diferentes productos, pero generalmente no alimenticios. Oui. Donc, achetons. Achetons es comprar. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite mise en situation. Vous allez être les clients, ustedes serán los clientes, un client ou une cliente, et vous avez demandé les prix d'un article. Et vous pouvez utiliser deux types de phrases pour demander les prix d'un article. Combien coûte un article? Par exemple, combien coûtent les stylos? Ou bien, vous pouvez demander quel est le prix d'un stylo? Quel est le prix d'un stylo? Ustedes serán los clientes de mi tienda. Entonces, ustedes, su tarea será es preguntarme cuánto cuesta un artículo de mi tienda. ¿Cómo lo van a hacer? Van a escribir combien coûte el article. Donc, combien coûte un artículo? ¿Cuánto cuesta un artículo? ¿Qué artículo? Los que yo voy a vender. Je vais vous montrer ces articles a continuación. Ou bien, o también pueden decir cuál es el precio de ese artículo. ¿Quel es el prix de stylo? ¿Quel es el prix de stylo, par exemple? ¿Cuál es el precio del lapicero? Par contre, je serai la vendeuse du magasin. Yo voy a ser la vendedora de la tienda et je vais vous répondre avec le prix de l'article. Je vais vous dire, l'article coûte une quantité en euros. Ça peut être un euro parce que je suis en France, mais chez vous, vous pouvez dire les stylos coûtent 1000 pesos, par exemple. Mais je vais faire l'exercice en euros. Voilà. Donc, ça, c'est mon magasin. Esta es mi tienda. Et je vais vendre les articles suivants. Je vais vendre des ballons, des pantalons, des cahiers, des livres, des stylos et des bouteilles. Su tarea será entonces preguntarme cuánto vale algún artículo de la tienda. Combien coûte un ballon? Combien coûte le pantalon? Quel est le prix du cahier, de la bouteille? Vous allez me demander ça et je vais vous répondre le prix. Ustedes me van a preguntar por el chat cuánto vale algo y yo voy a responderles cuánto vale. Voilà. Donc, je vois Camila qui me demande combien coûte le ballon. Ok, Camila. Alors, le ballon coûte 21 euros. Le ballon coûte 21 euros. Adriana me demande combien coûte les livres. Les livres coûtent 17 euros. Les livres coûtent 17 euros. Santiago demande combien coûtent les cahiers? Ah voilà, Santiago, les cahiers coûtent 10 euros. Les cahiers coûtent 10 euros. Je vois qui d'autre? Combien coûte le pantalon? Le pantalon coûte 29 euros. Les pantalons coûtent 29 euros.
Combien coûte la bouteille? La bouteille coûte 1 euro. La bouteille coûte 1 euro. Et je vois d'autres personnes qui me demandent pour les stylos. Les stylos coûtent 3 euros. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de jouer chez vous après les cours. Quelqu'un va être le vendeur ou la vendeuse et quelqu'un sera les clients ou la cliente. Et vous allez jouer en demandant les prix et en donnant le prix. Lo que les propongo es que después de clase, jueguen en su casa para practicar. Vous allez jouer entre vous. Après. Ok. Donc, on va passer aux suivantes. On va continuer à apprendre à compter. Comment est-ce qu'on va continuer à apprendre à compter? On va continuer à apprendre le nombre des 30 à 100. Des 30 à 100. Pour apprendre à compter des 30 à 100, c'est simple. Pour dire 30, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Donc, vous voyez que pour compter des 30 à 39, on va utiliser les mêmes règles que pour compter de 20 à 29. Trente, trente et un, trente-deux et ainsi de suite jusqu'à trente-neuf. Entonces, como ven, contar de 30 a 39 es como si lo hicieran de 20 a 29. Mais dans ce cas, vous allez remplacer par 30. 31, 32, 39. Ensuite, on aura 39, 40. 40. Et pareil, pour compter jusqu'à 50, on va faire 41, 42, 43, 49. Et on arrive au 50. 50. 50. Encore une fois, des 50 à 60, on va compter pareil. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Et on arrive à 60. 60, 61. 62 et pareil jusqu'à 69. 69. 69. Maintenant, les choses vont se compliquer un petit peu. Ahora, las cosas se van a complicar solo un poco. Parce que quand on arrive à 70, on ne va pas dire 70. Même si dans d'autres pays, ils les font. En France et dans la plupart des pays francophones, on va dire 70. 70. Y pueden, se pueden entender comment c'est la logique pour dire 70. 70. Es 60 más 10. Ça marche comme ça en français. Oui, Mystica l'a dit, 60 más 10, 70. 60 plus 10, 70. Et on va continuer. C'est assez logique. 71. 60 plus 11. 71. 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 60 más 19, 79. Oui, 70. 60 más, más 10, 70, 70, et jusqu'à 79, 79. Et ensuite, on va passer à 80. Comment on va dire 80 en français? On va dire 80. 80. 80. Oui. Comment vous comprenez la logique? Donc, je vois que Camila Olmedo a bien compris. 4 veces 20. 80. 4 veces 20. Et on passe au suivant. 81. 81. 81. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de « e ». No tiene « e ». 81. 81. 81. 89, 89. Donc 81, 82, 83. Donc vous comprenez déjà, c'est comme compter de 20 à 29, mais vous allez rajouter 4 fois 21, 4 fois 29. 89. Oui, Javier, non, 81 no tiene E. On ne va pas utiliser « et ». On dit 81. Non, 81. 81 et au final jusqu'à 89. Et on va passer à la dernière règle. Comment dire 90? 90. 90. 90. Oui. Lady Liliana, sí. 90, 4 veces 20, más 10. 90. Et on va continuer. Encore une fois, il faut faire attention parce que quand on dit 91, il n'y a pas de E. No tiene E. 91. 91. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, 99, 99. ¿Cómo puedo hacer esa R que se hace con la garganta? Ruth, es complicado al principio, pero lo vas a coger a medida que vas a avanzar. cuando tenemos gripa, me parece que cuando estamos aprendiendo francés hablamos mejor, porque al principio nos cuesta hacer las pronunciaciones, pero vas a ir aprendiendo. Donc, on finit par 99, et le tout dernier nombre, on dit 100. 100. Tienes 100. 100. Ok, je vois. Oui, no se dice la consonante T en el 81, Andrés. 81. 81. On ne dit pas 81. Non, on ne le dit pas. Je vois que c'est bon. Donc, maintenant, vous savez compter de 0 à 100. Donc, bravo à vous. Vous, maintenant, vous avez appris à compter de 0 à 100. Je vous félicite. On va passer aux suivantes. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. En Belgique et en Suisse, on peut dire 70 pour dire 90. 70 para decir 70,
80 para decir 80, 80 deux fois, et 90 para decir 90. Donc, si vous choisissez de dire 70 ou 80, c'est correct aussi. Mais si vous venez en France, les gens vont dire « Ah, est-ce qu'il est belge ou est-ce qu'il est suisse ?» Parce qu'il dit 70 ou 80, ou bien 90. Si ustedes deciden pronunciar 70 como 70, 80, lo pueden hacer. Pero si vienen a Francia y algún día les preguntan, tienen que decir ese número, pues van a pensar que aprendieron francés en Bélgica o en Suiza. No tiene ningún problema, yo les muestro distintas maneras. En Belgique y en Suisse, 70 se dit 70, 80 se dit 80 ou 80, et 90, on le dit 90. Oui, 91, 92, 93, 99, c'est comme ça en Belgique. 81, Martina Diala, 81. Olga Serna pregunta cómo decir 170 en francés. Tú dices 170. 170. 100 más 70. 170. Comme ça. Au Québec, Laura, au Québec, je pense qu'ils utilisent la même prononciation qu'en français, donc ils vont dire 70 aussi au Québec. Et déjà que oui, c'est plus facile de les dire comme le belge et comme les suisses. C'est plus facile, c'est vrai. Mais les français, ils sont plus compliqués. Ils aiment bien compliquer les choses, les français. Les français, ils les gustan las cosas más complicadas. Por eso dicen 70. Liliana, pues en Bélgica creo que sí dirán 170. Sí. Ok. On va continuer. On va découvrir la France et la francophonie. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous connaissez de la France? Qu'est-ce que vous connaissez de la France? J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous connaissez de la France? ¿Qué conocen de Francia? ¿Qué conocen de Francia? ¿Qu'est-ce que vous connaissez de la France? Les tours, oui, Julien, les tours de France, très bien. Toulouse, la tour Eiffel, le musée du Louvre, la tour Eiffel, les macarons, les tours de France, beaucoup de personnes qui aiment les tours de France. N'Golo Kanté, très bien, N'Golo Kanté. Ok, beaucoup de réponses. Et le Panthéon, le métro, les Mont-Saint-Michel, oui, très bien. Je connais la baguette. Oui, très célèbre baguette. La baguette muy célèbre en Francia. Ben, je vois que vous connaissez beaucoup et je suis contente pour ça. Comme vous l'avez dit, le Tour de France, célèbre Tour de France, une des meilleures courses européennes et mondiales. Le Mont-Saint-Michel en Bretagne. En Bretagne, qui est le Mont Saint-Michel, la Tour Eiffel, incontournable de Paris. Et je vous avais mis aussi le fromage. Le fromage, très typique de la culture française. Est-ce que vous connaissez d'autres choses? Vous connaissez, qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? L'Arc de Triomphe, le fromage. Vous connaissez un tournoi de tennis, peut-être? Vous connaissez peut-être un tournoi de tennis? Les tennis, oui, tennis. Et le Roland-Garros, oui. Les tournois célèbres de tennis en France s'appellent le Roland-Garros. Roland-Garros, oui. Les Roland-Garros. Et il y a d'autres villes que peut-être vous ne connaissez pas,
mais que je vais vous montrer des petites photos pour que vous entraînez à voir plus des choses de la France, autre que la Tour Eiffel ou Paris. Quiero mostrarles también otros lugares de Francia que no son en París y que son también muy bonitos. Les lacs d'Annecy, les lacs d'Annecy, un super joli lac à côté de Lyon. Es un lago muy hermoso cerca de Lyon. Et les calanques près de Marseille. Las calanques cerca de Marsella. Aussi un incontournable de la France que je vous conseille d'aller voir. Et quelqu'un l'avait dit avant, quelques-uns l'avaient dit avant, les macarons aussi. Les macarons, délicieux, deliciosos. Oui, je vois beaucoup de personnes qui aiment beaucoup le Tour de France. Je connais les Calanques, César connaît les Calanques. Oui, j'aime regarder le Roland-Garros. Super, très bien. France, no lleva mayúscula. Oui, tu as raison. La France, c'est toujours avec la majuscule. Si, Francia es con mayúscula. Ahí no me equivoqué. Mais aussi, je veux vous présenter aujourd'hui la francophonie. La francophonie. Qu'est-ce que c'est la francophonie? La francophonie, c'est la communauté des personnes qui parlent le français comme langue maternelle ou bien comme langue choisie. Quiere decir que la francophonie es la comunidad de personas que habla francés como lengua maternal o bien como una lengua que han escogido. Par exemple, vous, quand vous êtes en train d'apprendre le français, vous faites partie aussi de la francophonie. Ustedes que han decidido empezar a aprender francés también hacen parte de la francophonie. La francophonie, c'est 54 pays membres, 54 países miembros, y d'autres qui sont des observateurs. Algunos que son observadores, como por ejemplo l'Argentine ou le Mexique, ce sont des pays observateurs. L'Argentine ou le Mexique, la langue maternelle, ce n'est pas le français. La langue maternelle du Mexique et de l'Argentine, c'est l'espagnol. Mais ils font partie aussi de la francophonie. L'Argentina y México hacen parte de esta organización sin tener la lengua materna, el francés, pero hacen parte de esta organización porque es una organización que además de tener países que tienen como lengua materna el francés, tienen países que también están interesados en la cultura francesa. Alors, ça c'est la francophonie. C'est quoi la francophonie aussi? Le français est parlé par 300 millions de personnes sur les 5 continents. L'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie. L'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie. Donc, 300 millions de personnes parlent le français. Et donc, s'il y a 300 millions de personnes qui parlent le français sur les 5 continents, c'est à vous dire que vous pouvez trouver près de chez vous quelqu'un qui parle le français. Si hay 300 millones de personas que hablan francés en el mundo, quiere decir que cerca de su casa va a haber alguien también que hable francés. Y con él van a poder practicar. Ok. Je voulais vous présenter quelques villes et pays francophones. Est-ce que vous arrivez à identifier quelques villes et pays francophones? Pueden decirme algunos países o ciudades que hablen francés, diferentes a París o otro diferentes a París. Pueden decirme, est-ce que vous pouvez me dire quelques villes et pays francophones? Belgique, Canada, oui,
Canada, Angola. Ok, le Québec. Le Québec, c'est au Canada, très bien. Haïti, oui. Canada. Montréal, c'est au Canada, super. Burkina Faso. Tunisie, oui, très bien. La Guyane. La Guyane, c'est, la Guyane fait partie de la France, très bien. Suisse, la Suisse aussi. Algérie. Bah, vous connaissez beaucoup. Très bien. Vous savez ce qu'on a dit de mucho? Je vous félicite. Ici, je vais vous présenter quelques villes. Quelqu'un m'a dit l'Atomium. L'Atomium se trouve à Bruxelles, en Belgique. Bruxelles, la Belgique. Bruxelles, la Belgique. Ici, je voulais vous présenter Dakar, le Sénégal. Dakar, c'était auparavant les lieux où on faisait le rallye. Les rallyes Dakar, au départ, s'est fait au Sénégal. Et le rallye Dakar, antes, c'est aussi en Sénégal, en Dakar. Dakar, le Sénégal. Ici, Paris, il ne faut pas l'oublier. Nous avons oublié de Paris. Il ne faut pas l'oublier. Paris, la France. Et Montréal, le Canada. Bruxelles, la Belgique. Dakar, le Sénégal. Paris, la France. Montréal, le Canada. Haïti, je vois. El Sagrado Corazón. Si, muy bien, Camila. C'est les Sacrés Cœurs. Très bien. Canada, je vois. Je vois. Ben, très bien. Donc, on va passer aux suivantes. On va découvrir les autres pays. Parce que là, on a découvert les villes francophones. Maintenant, on va découvrir les autres pays. Connaissez-vous le nom de ces pays? Je pense qu'ici, vous connaissez. Connaissez-vous le nom de ces pays? Conocen el nombre de estos pays, de estos países? Connaissez-vous le nom de ces pays? Colombia? Oui, facile, Liliana dit facile. Colombia, Brésil, Brésil, l'Italie, Colombie, Colombie. Et les autres pays, est-ce que vous connaissez les autres? L'Italie, celui-là, est-ce que vous le connaissez? Vous connaissez, est-ce que vous connaissez ces drapeaux? C'est un pays d'Europe, est-ce que vous connaissez? Je ne le vois pas. France, non, c'est pas la France. Les drapeaux de la France et en el otro sentido. Portugal, Holanda, oui. Jessica, je viens de voir. Holanda ou les Pays-Bas, los Países Bajos. Oui. Donc on a la Colombie, le Brésil, les Pays-Bas et l'Italie. La Colombie, le Brésil, les Pays-Bas et l'Italie. La Colombie, le Brésil, les Pays-Bas et l'Italie. Vous commencez à identifier qu'il y a des articles différents. Identifiquez qu'il y a des articles différents. Il y a des articles différents. Colombie, Brésil, Pays-Bas, Italie. Oui, très bien. Ya los conocen. Y vamos a ver quelque chose de très important. En français, on ne peut pas dire Colombie seulement ou Brésil seulement pour désigner le nom d'un pays. Un sustantivo tiene que ir acompañado de un artículo en francés. Et donc, en español podemos decir Colombia, no hay problema, está bien dicho, pero en francés hay que utilizar un artículo. Donc ici, on dit la Colombie, le Brésil, les Pays-Bas, l'Italie. Et on va apprendre comment choisir l'article qui convient. Vamos a aprender a escoger el artículo que conviene. Avec des petites règles. Féminin ou masculin, dit Noémie. Très bien, Noémie.
La Colombie, le Brésil, les Pays-Bas, l'Italie. Liliana, si, très bien. C'est parce que, en français, il existe des pays féminins, des pays masculins et des pays pluriels. Comment identifier? Avec deux questions. On va se poser deux questions. D'abord, quel genre? Quel genre? Quel género? Quel genre? Est-ce que le pays termine par E? Colombie termine par E? Oui, Colombie termine par E. Donc, si c'est un pays qui termine par E, un país que termina por E, un pays qui termine par E, on va dire que c'est un pays féminin, comme Colombie, France, Italie. Ce sont des pays féminins. Colombia, France, Italie sont países femeninos en français. Ce sont des pays féminins. Colombie, France, Italie. Sinon, si les pays ne terminent pas par E, c'est un pays masculin, comme Brésil, Maroc ou Iran. Ce sont des pays masculins. Son países masculinos. Et ensuite, donc, on va choisir l'article. Quel article convient à chaque pays? Si un pays est féminin, nous allons utiliser la Colombie, la France, l'Italie. La Colombie, la France, l'Italie. Ici, vous voyez quelque chose? On va y revenir. Aquí ven otra diferencia, vamos a volver a ello. Si un pays est masculin, on va utiliser le. Le. Attention, le. Le Brésil, le Maroc, l'Iran. Encore une fois, ici c'est un peu différent, on va revenir après. Ya vamos a explicar estos de abajo. Et enfin, si un pays est pluriel, un pays est pluriel, comme Pays-Bas, États-Unis, Philippines, on va utiliser les. Les. Attention à la prononciation. Le. Les. Le. Les. Les Pays-Bas, les États-Unis, les Philippines. Maintenant, vous voyez ici, Italie et Iran commencent par une voyelle. Italia, Iran, commencent par vocale. Si un pays commence par voyelle, on va utiliser l' apostrophe. Si un país comienza por vocal, van a utilizar el apostrophe. L'Italie, l'Iran, l'Espagne, c'est avec l' apostrophe. Con L y apóstrofe. No, cano le di, no, no pronunciamos la S de le, decimos le. Y en realidad, porque existe la S aquí, es que vamos a decir le para diferenciar de le. Le, le. ¿Por qué les Filipinas? Porque Filipina es plural. Filipinas es plural. Filipina. Ce n'est pas Filipine sans S. Filipina es plural. Es como en español. Estados Unidos es plural. Países Bajos es plural. Entonces, en francés, estos países también lo son. Y vamos a utilizar le. ¿Por qué escriben colombiano? Comment est-ce que les pays se disent les? Quand un pays est pluriel. Donc, Pays-Bas, c'est un pays pluriel. Ou États-Unis aussi. Estados Unidos. Ce n'est pas un État-Uni. Non, c'est État-Uni. C'est États-Unis. Estados Unidos. Ou Filipinas. C'est plural. Les Philippines, les États-Unis, les Pays-Bas. Oui, Camilo.
quand tu essayes de dire le, c'est comme quand tu prononces e de français. E. E de français, e. C'est comme si tu essayes de dire e, pero cierras la boca. E. 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 Le. Comment se prononce à l'Italie? Et l'apostrophe, et l'apostrophe no suena. Es como si hicieras una liaison. Dices l'Italie, l'Iran. Lees todo junto. L'Italie, l'Iran, l'Espagne. La France, la Colombie, le Brésil, le Maroc, les Pays-Bas, les États-Unis, les Philippines. Mais attention, il y aura des exceptions. Parce que on parle français. Les Français ont des exceptions. Donc voilà la première exception. Il y a des pays qui finissent par E, mais qui sont des pays masculins. Comme le Mexique, le Belize, les Belize, les Suriname. Ce sont des pays masculins, même s'ils finissent par E. Ce sont des exceptions. Mexique, Belize, Suriname. Et bien d'autres, ce sont des pays masculins, même s'ils finissent par E. Son países masculinos, así terminan por E. Ce sont des exceptions à la règle. Son excepciones a la regla. Ce sont des exceptions à la règle. On dit le Mexique, le Belize, les Surinames. Et on a une deuxième exception. Il y a quelques pays qui n'ont pas d'article, sans article, no hay artículo. Comme Cuba, Haïti, Madagascar, Monaco. Cuba, Haïti, Madagascar, Monaco. On n'utilise pas d'article devant. No utilizamos artículo. Para Cuba, Haïti, Madagascar, Monaco. En général, les pays où on n'utilise pas d'article, ce sont des îles. En général, cuando no utilizamos artículo, son para países que son islas, como por ejemplo Cuba o Haití o Madagascar. Ce sont des îles, son islas. On n'utilise pas d'article. On dit Cuba, on dit Haïti, on dit Madagascar. On dit Monaco. Malta aussi, oui, c'est vrai. Là, je vous ai mis trois petits points, les puse tres puntos más, porque es mucha información, sino. En la información del blog, vamos a poner otro link especial para explicar en detalle todas las reglas y que puedan ver todas las excepciones. Oui, quand on l'a dit, oui, San Andrés, on dit San Andrés et pas le San Andrés, on dit San Andrés. Japon, Aïda, on dit le Japon, Japon. Le Japon, c'est masculin. Le Japon. Les Japon, on utilise, oui. C'est pour ça que je dis en général. En général. Non, siempre. Et ça, c'est quelque chose que vous allez écouter tout le temps en français. En général, pero no siempre. C'est comme ça le français. Le français, il est comme ça. Quand tu demandes à un français et tu lui demandes, mais pourquoi, ils vont dire, ah, c'est comme ça. Et ça, si. Pourquoi? Por qué? C'est comme ça. Oui, Noémie, tu as raison. Pas tous les îles, no todas las islas son así. La mayoría. Pero no todas. Oui. Inauris, oui, c'est vrai. On dit la République dominicaine. Donc, comme je dis, c'est en général, mais pas tout le temps. Oui, Noémie, tu as raison. C'est plutôt de la mémoire. Elle dit de la mémoire. Oui. Voilà. Je suis d'accord avec Noémie. Pour les exceptions, il faut les apprendre. Apprendre par cœur, c'est une expression de français. Aprender de corazón.
Ce sont des choses qu'il faudra apprendre par cœur. Mais je vous dis, comprenez les règles générales et après, on voit pour les restes. Aprendan la regla general y luego pueden aprender el resto. Yo siempre aconsejo tener la regla del 80-20, es decir, gasten 20% de su energía en las cosas que les van a dar el 80% de efectividad. Si un jour vous oubliez un pays qui est masculin et que c'était un vrai un pays féminin, ce n'est pas grave. Si algún día se olvidan que hay algún país que es una excepción, la gente los va a corregir y simplemente así van a aprender. Donc, c'est comme ça que je vous conseille de travailler, mais chacun a sa propre méthodologie. Yo les doy consejos y ustedes escogen su propia metodología al final. Ok, donc pour la fin, on laisse le meilleur pour la fin. On va apprendre à se présenter. Se présenter. Bonjour, bienvenue dans les cours. Je m'appelle Alejandra. Je suis ingénieure. Et vous? Et David, il se présente. Lui, c'est David. Salut, je m'appelle David. Je suis colombien et je suis professeur. Salut, je m'appelle David. Salut, je m'appelle Alejandra. Et vous? Salut, je m'appelle David. Je suis colombien et je suis professeur. Et aussi, on a une petite étudiante qui nous dit bonjour. Je m'appelle Camila. Je suis colombienne et je suis étudiante. Bonjour, je m'appelle Alejandra. Bonjour, je m'appelle David. Bonjour, je m'appelle Camila. Mais aussi, on peut présenter les autres. On peut présenter les autres. Il s'appelle David. Estamos presentando a alguien más. Présenter les autres, c'est présenter quelqu'un d'autre. Presentar a alguien más. Il s'appelle David. Il est colombien et il est professeur. Elle s'appelle Alejandra. Elle est ingénieure. Elle s'appelle Camila. Elle est colombienne et elle est étudiante. Et elle est étudiante. Elle s'appelle Camila. Elle est colombienne et elle est étudiante. Elle est étudiante. Elle s'appelle Camila. Elle est colombienne et elle est étudiante. Oui, je vois que les gens, ils commencent à se présenter. Ok. Oui, vous voyez, c'est les verbes s'appeler. C'est les verbes s'appeler. Les verbes s'appeler, es llamarse. On l'utilise pour dire notre prénom et notre nom. Prénom es nombre en espagnol. C'est un faux ami. Alors que les noms es apellido. Prénom, nombre. Nom, apellido. Mon prénom est Alejandra. Mon nom est Acevedo. Prénom, nombre, nom, apellido. Donc, le verbe s'appeler, on l'utilise pour dire le prénom et les noms. Je m'appelle Alejandra. Tu t'appelles Hector. Il s'appelle Camille ou elle s'appelle Camille. Camille, c'est un prénom masculin et féminin en français. Je m'appelle Alejandra. Tu t'appelles Hector. Il s'appelle Camille. Elle s'appelle Camille. Mais je veux savoir, et vous, comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Andrea. Je m'appelle Hannah. Oui, enchantée, Hannah. Je m'appelle Hannah. Je m'appelle Andrea. Oui, tu prononces ton prénom comme tu les prononces en espagnol.
Tu prononces tu numéro, ton nom, comment tu te llamas? Salut, je m'appelle Laura. Enchantée, Laura. Enchantée, Jasmine. Enchantée, Samantha. Enchantée, Casey. Oui, je vois, je m'appelle Santiago. Enchantée, enchantée, Alicia. Je m'appelle Alicia. Encantada. Oui, je m'appelle Mayra. Je m'appelle Fabien Camilo Tique Salgado. Enchantée, Fabien. Je vois très bien. Donc, il est 20h. Ya son las 8. Y aquí termina el curso 2 de francés. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas en las que ustedes me van a preguntar cosas, me pueden preguntar cosas culturales o dudas de la clase. Me pueden preguntar cuánto tiempo llevo en Francia. Es un espacio para échanger, para intercambiar. Hop. Ok. Je vois Daniela Pelaez me demande comment se siente vivre en Francia. Très bien. J'adore la France. J'adore ce pays. C'est un pays avec beaucoup de paysages. La France est un petit pays. C'est un tout petit pays. Mais il a tellement de paysages beaux à découvrir. C'est pour ça que j'adore. Francia me siento increíble. Me encanta. Es un país que tiene muchas maravillas. Es un país muy pequeño. Colombia es la talla de Francia y España juntos. Entonces pueden ver la diferencia de talla. ¿Se utilizan los signos de interrogación como español al inicio y al final? No, solo vamos a utilizar para las preguntas el signo final. No utilizamos el signo inicial. En el blog de ejercicios ya están los de la clase pasada. Sí, súper bien. Vamos a subir los ejercicios de la clase de hoy y temas culturales. Después de que acabemos la clase, subimos la segunda clase. ¿Cómo aprendí el francés? ¿Tienes tips? Aprendí el francés en Medellín. Estudié 3 años y medio francés en la Alianza Francesa de Medellín. Y luego vine a Francia y terminé de aprender. ¿Por qué se decía colombien? Porque esa es la nacionalidad. Ese es un tema que van a ver la próxima semana con David. David les va a explicar cómo decir las nacionalidades. ¿Por qué colocas mayúscula como después del punto? Es la puntuación del francés. Después de una coma para una pregunta, comienza por mayúscula. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. ¿Usar un traductor que venden en Amazon es bueno? No conozco el traductor que venden en Amazon, Alfonso. Que les recomiendo mucho que intenten aprender las cosas en francés y que su último recurso sea utilizar el traductor. Más que todo, busquen el significado de las palabras. ¿Cuándo se hace la liaison? Donc, una regla más bien sencilla es cuando terminas una palabra por consonante y luego comienza por vocal. Pero hay 3 reglas. Hay una liaison que es obligatoria, una liaison que es facultativa y una liaison que es prohibida. Vamos a tratar de ponerles y explicarles a medida que vamos avanzando en el curso las reglas específicas, solo que al principio estamos empezando y si vamos a explicar todo el tema no nos da el tiempo. ¿Es fácil emigrar a París con la familia? Pues Richard, no te puedo decir. Digamos que cuando tú vienes yo vine en el caso de un máster a Francia, así que es fácil para venir a estudiar y luego si obtienes una oferta de trabajo te puedes quedar. Si quieres venir to the street sin una oferta de trabajo, no sé.
Las dos formas que nos brindaste para que el que entre pregunta y una informal y otra, otra formal y informal, las dos opciones que les di son formales. Las dos las pueden utilizar. He comido foie gras, sí. Oui, j'ai déjà mangé du foie gras. Cette année, j'ai mangé du foie gras pour la première fois. Es la primera, es el primer año que comí foie gras. Cursos particulares, Jenny. Pues, si necesitas un curso particular, dependiendo de la ciudad donde estés, la mayoría de ciudades en Colombia tienen la Alianza Francesa o en las universidades de cada ciudad pueden haber un instituto de idiomas, te puedes ir por ahí. ¿En dónde estudié? En Colombia estudié en la Universidad de IA, la Escuela de Ingenieros. ¿En qué año viajé a Francia? Je suis venue en France en 2018. Llegué en el 2018. ¿Las nacionalidades en francés no deben esperar en mayúscula? No. No, las nacionalidades en francés no empiezan en mayúscula, son en minúscula. Marie Edith, Pablo Espinosa, los PDF de la primera clase lo puedes encontrar en el link del blog que ya lo puso Colombia Nos Une. Y la segunda clase la vamos a poner después de acabar, la vamos a poner un poquito después con los links más útiles. Diferencias entre Francia y Canadá. En el blog les voy a poner un video donde van a poder escuchar diferentes acentos de países para que lo vayan a entender. ¿Has ido a Suiza? No, je suis jamais allée en Suisse. J'aimerais beaucoup y aller, mais j'avais beaucoup de voyages planifiés pour l'année 2019. Mais avec le COVID, je n'ai pas pu y aller. Entonces, todavía no he ido a Suiza por el COVID. Todo se separó mucho mis viajes. Je suis ingénieur en informatique. Je suis ingénieur informatique. Je travaille en tant qu'ingénieur informatique en France. Trabajo como ingeniera informática en Francia. J'ai mangé une baguette. Bah, super, Maria. ¿Recomiendo alguna app? Pues depende de lo que utilicen. Cuando empecé a aprender francés, sí utilicé Duolingo, me interesó. Es chévere para aprender algunas palabras y como que te metas como en tu objetivo de practicar el francés todos los días. Eso me parece bien. ¿Otras aplicaciones? Tengo algunas aplicaciones de vocabulario que podemos recomendarles. Pero si no, más que todo utilice páginas de internet o ejercicios en línea. Sí, soy colombiana. Tengo una duda. Sí, Fabián, los ejercicios que nosotros proponemos en el blog nosotros no los vamos a revisar porque son links a otras páginas donde están los temas y es para que ustedes practiquen. Tips para la prononciación, c'est la pratique et l'exagération de la gesticulation. Il faut gesticuler, faire beaucoup de gesticulations, ne pas avoir peur de parler comme ça. Tienes que mucha gesticulación, pararte enfrente de un espejo es súper bien, es muy buena actividad para pronunciar bien. Para que tú veas cómo se mueve tu boca. Cristian, c'est important de dire ça, on ne certifie pas ces cours. Nosotros no podemos certificar el curso. Este curso está dado de manera gratuita por Colombia Nos Une con la Cancillería. ¿Hay alguna inscripción para la gente que vive en París? Fue una inscripción que fue hasta el 25 de junio. Y al final del curso creo que van a pasar un examen y tal vez van a obtener una certificación, pero nosotros como tal, David y yo, no certificamos. ¿Vos y a d'autres questions?
Aprender inglés y francés al tiempo, que comentes para el aprendizaje. Bon, ça peut être un peu compliqué parce que tu vas avoir des mots en anglais et des mots en français qui vont se mélanger, mais je te conseille d'apprendre deux langues si tu le veux. Si quieres aprender inglés y francés, tal vez algún momento se te van a mezclar las palabras, pero es muy bueno aprender dos idiomas. Entre más idiomas puedan aprender, mejor. On va voir. Quelle autre question il y a là? Ah, je vais vous partager mon écran. Ok. Oui, donc, algunas aplicaciones o Duolingo, por ejemplo. Y hay una aplicación acá que tengo. Les voy a poner otra aplicación que es para vocabulario. La voy a buscar y se las voy a poner acá para que se la descarguen. ¿Dónde están? Y mientras tanto, voy a preguntar, ¿cuánto tiempo llevo en Francia? Llevo 3 años. ¿Este curso tiene certificación? No. Tienen que saber también con el consulado si la gente que vive en París hizo una inscripción, pero que terminó el 25 de junio. Tal vez al final de este curso van a pasar algún examen la gente que vive en París. Pero si vives en Colombia, este curso no tiene certificación. Sí, Pilar, es lo difícil. Este curso es como es para gran público, no podemos interactuar, pero por eso es que vamos a ponerles links para que puedan tal vez practicar más. ¿Hay oportunidades de estudio para los jóvenes? En Francia, sí. Si tú quieres venir a hacer un máster en Francia, puede ser muy fácil, solo tienes que llenar la aplicación en Campus France. Si quieren venir a hacer estudios en Francia, les recomiendo la página de Campus France. Ahí pueden obtener más información cómo hacer estudios superiores en Francia para venir a estudiar en Francia en las universidades francesas. ¿Dónde encontramos los links para practicar? Están en el blog. El blog lo puso Colombia nos une el link del blog. Si yo vivo en Toulouse, tengo certificado. No te puedo decir eso, David. Si no te inscribiste por el link, no sé si habrá certificado. Pero nosotros como tal nos certificamos. ¿En qué área estás haciendo el máster? Ya terminé el máster, lo terminé el año pasado y lo hice en ingeniería informática. Para los ingenieros, les recomiendo mucho que busquen qué es una école d'ingénieur. Una école d'ingénieur en Francia, en vez de ser universidades donde estudias ingeniería, se estudia en una escuela de ingeniería. Entonces busquen qué es una école d'ingénieur. Y si estudian en una universidad en Colombia, busquen si su universidad tiene algún convenio de doble diploma y así tal vez puedan venir a Francia. ¿Se puede cantar el himno nacional de Colombia en francés? Pues todo el poder se puede, se traduce muy diferente, claro. Si vivimos en Guyana Francesa, tenemos certificado. No sé, eso de nosotros no damos el certificado, no puedo saber. ¿Fue difícil homologar mi carrera en Francia? No, porque hice un convenio de doble diploma con mi universidad en Colombia. Y igual, si tú vienes a Francia y estudias un máster, puedes trabajar en Francia. Los diplomas, tenía entendido que los diplomas franceses y colombianos eran homologables. Pero es más difícil venir a trabajar a Francia si no has hecho como una experiencia en Francia. Lo estoy escribiendo, estoy compartiendo la pantalla. Campus France, École d'ingénieurs, si quieren estudiar.
Ah, sí, ya. Ya es que no estaba apareciendo la pantalla. En estudios en Francia pueden escuchar, pueden utilizar Campus France o Campus France para todos los temas administrativos y también algunas ofertas. Y los ingenieros busquen qué es una école d'ingénieur. Busquen qué es una école d'ingénieur. Y si estudian en Colombia, están estudiando en alguna universidad en Colombia, busquen si en su universidad tiene convenios con escuelas en Francia. Sí, cuando tú haces un doble diploma en Francia, si tú haces un máster de 2 años, tienes derecho a quedarte un año para buscar trabajo y si encuentras trabajo en ese año, te puedes quedar trabajando. Sí. Ah, oui. Otras apps. Duolingo es la más clásica. Lo que me gusta de Duolingo es que los lleva a tener como un ritmo de práctica, como decir, tener una rutina para decir, hoy voy a estudiar francés, voy a estudiar francés 10 minutos todos los días. Eso es lo bueno de Duolingo, tener como un método. Y una app de vocabulario se llama Leximage Plus. Una app de vocabulario. Asociaciones para hacer estudios gratuitos en Francia. Bueno, gratuitos superiores, ¿no? Y gratuitos de francés, la asociación con la que yo, de la que yo hago parte se llama Linkaid. Asociación Linkaid. Esta asociación es la que con la que estamos haciendo los cursos y por la que yo estoy acá para enseñar francés de manera gratuita. Por acá les dejo arriba las apps, Duolingo, Leximage Plus. Una app, alguna app para ubicarse en París. ¿Quieres decir como de vacaciones o de aprender a qué hay en París? O como para poder utilizar el metro, ¿qué quieres decir con eso? Si quieres utilizar el metro, usa Maps, la aplicación de Google de mapas. ¿Cuánto vale hacer un semestre técnico en ingeniería en Francia? Pues no te puedo decir cuánto vale en general, porque depende de las escuelas y también depende de tu universidad. ¿Qué estudias con la que estudias en Colombia? ¿Tiene algún convenio con otra universidad? Porque si tienes un convenio, va a ser muy sencillo y normalmente solo tienes que pagar en tu universidad en Colombia y puedes estudiar en Francia. Para poder manejarse en los transportes. Ok, Carol. Apps. Transporte, pues Google Maps, c'est la plus simple. Et sinon, il y a aussi Citymapper. Google Maps ou Citymapper. La vida en Francia es costosa. Bah, David, il vous avait expliqué le mardi un peu. David les avait expliqué le martes. Ça dépend de la ville où tu habites. Eso depende de la ciudad en la que vives. Par exemple, si tu habites à Paris, ça va être très cher. Très très cher d'habiter à Paris. Par contre, j'habite à Lille, dans le nord de la France, et c'est moins cher. Depende de la ciudad. En París es muy costoso vivir. En otras ciudades puede ser más económico. Por ejemplo, yo vivo en Lille y mi vida es más económica que si viviera en París. Sí, en Francia, un técnico se llama BTS. Una carrera técnica en Francia se llama BTS. Un BTS. Un BTS son 2 años. Un BTS. No. No, Cristian, no hay, nosotros no otorgamos un certificado, los cursos son de libre uso, los pueden ver por la página de Colombia Nos Une.
¿Qué otros idiomas hablo? Sé hablar inglés y francés e intento aprender portugués, pero todavía estoy empezando en portugués. ¿Cómo enseño español en Francia? Si quieres enseñarle a alguien en Francia, si estás en Francia y quieres enseñarle español a alguien, o sea, depende. Si tú tienes un título y estás certificado como profe de español, tendrías que hacer tu homologación de título o venir a hacer un máster acá. Pero si vives en Francia y simplemente eres estudiante y quisieras enseñarle francés a alguien, puedes poner un anuncio en Facebook en algún grupo de la ciudad donde vives y tal vez la gente te va a contactar. Richard, no sé. La tecnología del SENA, no sé si tú la podrás homologar. Es muy diferente. No, no hay evaluaciones presenciales. Hay mucha diferencia entre el francés de Francia y de Quebec. Pero sé que dice David la dernière fois. Les français du Québec, au Canada, c'est un français qui n'a pas beaucoup évolué. Ça a évolué différemment que le français de France. Et donc, le français du Québec, c'est un peu un français ancien. Et le français de Québec es como si fuera un francés antiguo que evolucionaron de manera diferente. Entonces, la pronunciación va a ser distinta. Moi, personnellement, je ne comprends pas beaucoup le français du Québec. En lo personal, yo no co comprendo mucho el francés de Québec. Si, les Français du Québec, ils vont te comprendre si tu parles français de France. L'inverse, c'est pas vrai. Les Françaises tienen más dificultad en aprender el entender a los Québécois que los Québécois entender a los que hablan con el acento que aprendieron en francés de Francia. Sí, la Universidad de Antioquia tiene muchos convenios con universidades francesas y es una muy buena universidad en Colombia. Hola Mildred, yo pienso que es bueno aprender de todo. Entonces, además de la lengua francesa, también se puede aprender de otros aspectos. Sí, je me lave tous les jours en France. ¿Qué ha sido lo más difícil para mí de vivir en Francia? Le plus difficile pour moi d'habiter en France, ça a été devenir toute seule dans un pays étranger parce que je n'ai pas ma famille en France. Toute ma famille habite en Colombie et je suis venue toute seule. Entonces, pienso que lo más difícil de vivir en Francia ha sido vivir sola. Cuando tienes algún problema, estás tú. Antes, cuando vivía en Colombia, estaba mi familia. Y ahora están lejos. Eso para mí puede ser lo más difícil. Y en temas culturales, puede ser que algunos franceses tienen. Los franceses son menos optimistas que los colombianos. Entonces, los franceses suelen quejarse mucho. Y eso tal vez puede afectar como la moral de la persona, de una persona que viene de Colombia, que es muy optimista. Esos son los dos puntos, tal vez. Je ne sais pas. Para las cosas como de requisitos no conozco mucho. Entonces no podría decirles. Como de requisitos para estudiar franceses, el que es cochino sin importar la nacionalidad. Tienes razón, Joana. ¿Qué más hay? César, tendrías que fijarte en las páginas de, si hiciste un doctorado en Francia y si quieres volver, tendrías que fijarte en la página del consulado francés. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Qué más preguntas hay? Sí, cualquier persona se puede unir al blog.
todo el mundo tiene acceso al blog y ahí pueden ver las presentaciones que hemos hecho y pueden ver los ejercicios que proponemos, pueden ver los videos y los contenidos que proponemos. Es de libre acceso. ¿Qué canciones recomiendo para aprender y practicar? Voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar, les puedo decir algunos cantantes que francófonos, algunos quelques chanteurs de France ou francophones. Il y a Stromae, Edith Piaf, Angèle, Vianney. Ce sont quelques chanteurs francophones. También, aussi, il y a Saz. Ce sont des chansons, des chanteurs francophones. Algunos cantantes en francés. Si quieren buscar la música de ellos, allez-y. Ok. Pomme, manzana, sí. Una ciudad que sea económica para vivir. Lille me parece una ciudad económica. Y a d'autres villes. David, il habitait à Grenoble. Il avait dit aussi que c'était une bonne ville pour habiter. C'était moins cher. Grenoble, también, Lille. Les voy a decir algunas ciudades. Lille, Grenoble. Grenoble. Et que otras ciudades? Pueden buscar Toulouse. Son ciudades que son más económicas. Sí, Angèle es belga. Elle est francophone. Elle est francophone. Ella habla francés. Las canciones de Pomme. Ok, super. Vianney es Vita. Oui. 50 ans. Oui, 50 ans, c'est pas cher. C'est dans le nord. On va voir quelles autres questions il y a parce que c'est bientôt la fin du cours, de la session des questions-réponses. Comer pan duro en français, la baguette. La baguette, elle est très bonne. Hay que saber dónde comprar una buena baguette para que no quede dura. Y sí, hay que comer un producto fresco porque si lo dejas varios días se va a poner como una piedra. Tienes razón. Si vamos a vivir en Quebec, ¿nos ayuda para socializar? No, sí. Si tú aprendes un idioma, te va a ayudar a defenderte. Donc, je pense que si tú aprendes le français ici, même si ce n'est pas l'accent québécois, tu vas pouvoir communiquer avec les autres. Vas a poder comunicarte con los otros si aprendes también este francés. ¿Cómo se dice llévenme para Francia en francés? Emmenez-moi en France, s'il vous plaît. Traiganme a Francia, por favor. Emmenez-moi en France, s'il vous plaît. Oui, dans une boulangerie. Dans une bonne boulangerie, tu peux trouver une bonne baguette. Quanto tempo? Thanks. Ben, je vois que... Chauny, Amiens, si. Des Ciudades del Norte. Ok, bah, je vois que c'est 20h30, donc c'est la fin de ces cours de jeudi. Mais on va vous retrouver le mardi, David va vous retrouver le mardi en cours. Entonces es el final de clase, les digo adiós y nos vemos el martes con el profesor David. Au revoir, salut!